Ouais, les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je serai accompagné cette fois d'une personne, on va dire exceptionnelle. D'une personne qui va vous interpréter une petite danse. Parce qu'en fait, cette personne va jouer une scène de théâtre. Et du coup, cette personne doit la jouer. Mais n'hésitez pas à vous abonner, lâcher les pouces bleus et partager. Attention, un peu rigolo sur les bords, un peu dans son monde, dans ses nuages, on va dire, un peu loufoque, on va dire, habillé d'une façon extravagante, vraiment, dans le sens, c'est quelque chose qui voilà, je pense qu'il a dû se lever du mauvais pied, enfin, pas du bon pied, parce que quand il s'est habillé ce matin, bon, bien sûr, hein, c'est que je crois qu'il n'a pas dû mettre son manteau. Enfin, voilà, je sais pas, mais c'est bizarre. Enfin, tout ça pour vous dire que je vais faire aussi avec cette personne une scène de théâtre, donc bientôt, hein. Ça sera uniquement dans ma ville, à Bordeaux. Du coup, si vous êtes de Bordeaux, eh ben, allez voir. Voilà, c'est le mois prochain, je ne vous en dis pas plus. Le 25 juin, donc voilà, comme ça, si vous voulez venir au parc de la mairie de Bordeaux, voilà, vous êtes conviés, enfin bref. Je vous dis ça car ça va être un spectacle carrément à l'air libre, en fait. Et cette personne que justement j'ai décidé de vous présenter, c'est ce que, on va dire, lui et ses collègues ont pu avoir comme histoire, tous ensemble. Tous ensemble, ils ont eu la même histoire. Une sorte de pandémie qui se transmet, voilà, par la vue ou autre, voilà. Mais justement, c'est vraiment malheureux d'en arriver là. Mais par contre, c'est pas parce que cette personne ne voit forcément plus rien, qu'il ne sait plus rien faire, il ne peut plus se diriger, enfin voilà, c'est quelque chose d'effrayant pour lui, quoi, parce que il perd la vue du jour au lendemain, même pas, c'est quelque chose, subitement il lui est arrivé de perdre la vue, et du coup, avec cette petite chorégraphie qui va danser, bien sûr avec la musique là qui attend, ça va être quelque chose d'assez abstrait, parce que il va faire ressentir justement comment se déplacer en dansant en dansant seul, surtout quand on n'y voit pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour qui peut se prendre, par exemple un poteau, une personne? Comment il fait pour danser alors qu'il n'y voit pas? Comment il se déplace? C'est incroyable. Et cette personne est forcément la plus incroyable et la plus loufoque du théâtre. Enfin bref, c'est maintenant. Je vous la présente. C'est un ami que j'ai rencontré, hein, bien sûr. Hein. Vous allez voir, il est super marrant. Il est ce qu'il est. Mais vous savez, on ne peut pas changer le monde. Le monde ne peut pas nous changer non plus. Mais en tout cas, la vie continue, quoi. Enfin, vous voyez le truc. Je vais vous le présenter. Ah, professeur! Je crois qu'il ne m'a pas entendu. Oui, effectivement, oui, c'est un professeur. Plus exactement, c'est un scientifique un peu fou. Hein. Comme ça. Enfin, ah, je crois qu'il m'appelle. Oui. Ne bougez pas, je reviens. Oui, bonjour, professeur! Oui! Ah, ça va, et vous? Je crois qu'il a un peu de mal, hein. Il est un peu sourd sur les bords, mais vous inquiétez pas, ça va reviendrer. Ou pas. Enfin bref. Ah oui, je vous ai parlé, oui, par rapport... Comment ça? Mais il y aura du monde? Mais non! Ah, ça a encore changé, d'accord. Bon, ben ok. Oh oui, ils vous attendent. Oui, vous pouvez aller faire votre petit speech et vous me dites, hein, quand vous aurez fini, je... Oui, vous me ferez signe, d'accord? Voilà. Bon. C'est à vous.
Oui, vous pouvez y aller. Il y a du monde! Il y a du monde qui me regarde! Ça va, je rigole! Et oui, je suis un professeur tête en bulle à tête chercheuse. Oui, alors? Oui. Et j'ai décidé d'ailleurs. Ah oui, j'ai décidé d'ailleurs de vous faire voir, de vous montrer plutôt, parce que c'est français, bien sûr. Et du coup, comment s'imaginer danser quand on perd la vue du jour au lendemain, par exemple? Comment ça peut arriver? Comment se déplacer? Comment ressentir les choses alors qu'on perd la vue? Comment commencer la musique? Voilà, ça va donner un peu ça. Bon, bien sûr, hein, je sais pas où je suis. Hop, c'est quoi? Bonjour madame. Oh, je crois que je me suis trompé. Musique.
Allez-y, vous pouvez venir. Je m'en vais. Et ouais, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je trouve ça magnifique de perdre la vue comme ça. D'essayer de justement d'inventer une chorégraphie, d'écouter la musique et de vous abonner. Je trouve ça magnifique, c'est énorme. C'est quelque chose, l'art en lui-même en fait, c'est pour vous, les abonnés. Désolé, pardon. Oui, j'ai été faire un petit peu de sport là et du coup, c'est vrai que je viens de courir. J'ai reprendre un peu le souffle et puis comme vous voyez dehors, il fait chaud, hein, donc forcément, faut que j'aille boire là parce qu'après, faut que je retourne dehors. Hein, et, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher les pouces bleus, partager. Et moi, je trouve ça magnifique. C'était Black Snake Fire.